Salut les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo apprendre un morceau avec piano-facile.fr. Au programme d'aujourd'hui, on va voir le morceau Stay de Rihanna. On va y voir les accords, la manière de le jouer et comment construire tout ça. Voilà, et bien c'est parti, comme d'habitude, on commence par quoi? Par les accords. Les accords, on va en avoir 5, dont un qu'on va un petit peu modifier. Le premier, c'est Do majeur, donc Do majeur, Do, Mi, Sol, mais là, on va le jouer Sol, Do, Mi. Deuxième renversement, le Ré mineur qu'on va faire La, Ré, Fa. Le La mineur, La, Do, Mi. On va avoir un Sol majeur, Sol, Si, Ré. Un Fa majeur, Fa, La, Do. Il est possible qu'à un moment, je joue le Ré mineur, Fa, La, Ré. Qui revient au même que La, Ré, Fa. C'est juste le renversement qui est différent. Le petit accord qu'on va modifier, c'est le La mineur qui va devenir un La mineur 7. Donc on a La mineur. La mineur 7, on va rajouter la septième, le Sol. Donc on va décaler le La de la main droite pour qu'il devienne un Sol. Voilà, donc ça fait le La mineur 7. Et étant donné qu'on a le La à la gauche. Voilà, et ben c'est parti, on va voir l'intro couplet. Pour la main gauche, on va appuyer à chaque fois qu'on change d'accord, la main droite va appuyer plusieurs fois. On va faire ceci, la main droite va appuyer trois fois pour le Do, une fois pour le Ré, et le La mineur, on va faire trois fois, on va faire La mineur 7, et on refait La mineur, et à nouveau La mineur. Et on fait ça en boucle pour l'intro et pour le couplet. Donc je vous montre. Voilà, et ben on a vu l'intro couplet, maintenant le pré-refrain. Pour ce pré-refrain, on va appuyer 4 fois chaque accord, et donc ça va faire le Fa 4 fois. On va faire le Ré, Fa, La, Ré, comme j'ai dit tout à l'heure. Et là on va faire La mineur et on va refaire l'alternance. Septième, La mineur, 2 fois. Donc. On va faire Fa, Ré, et là on va faire Sol. Et une deuxième fois. Voilà pour ce pré-refrain. Bah maintenant, on va faire le refrain. Rien de bien compliqué pour le refrain. On va faire les accords suivants. Do majeur, Ré mineur, La mineur, Fa majeur. 4 fois chaque accord. Octave à la main gauche pour donner de la puissance. Le Fa majeur, là je l'ai joué, La, Do, Fa, à la place de tout à l'heure, Fa, La, Do. Je fais un renversement pour éviter de trop bouger, pour que ce soit plus joli. Et ce que je viens de faire là, à faire deux fois. Et après, et ben c'est tout pour la partie de refrain. Maintenant on va voir comment on construit le morceau. Avant de commencer ça, on va parler de la pédale de sustain. On va la changer à chaque accord. Dès qu'on change d'accord, on la change. On ne la change pas pour La mineur, La mineur 7, La mineur, La mineur 7. Donc, ça va donner quoi? L'intro, couplet. On va refaire. On va faire ça plusieurs fois pour le couplet. Donc on l'imagine qu'on l'a fait plusieurs fois. Après, on va passer sur le pré-refrain. Et là, on peut faire une octave à la main gauche. Et le sol. Avec octave sur sur le refrain octave puissant. On va faire deux fois. On
Eh ben, on a vu tout ce qu'il faut pour ce morceau. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à s'abonner. Voilà, vous savez tout. Eh ben, ça vous travaille bien. Ciao!